Et salut tout le monde, c'est NS et on se trouve aujourd'hui pour un speed build. Et c'est le dernier speed build, pas le tout dernier, ne vous inquiétez pas, mais c'est le dernier speed build sur mon Komorebi. Normalement, la semaine prochaine, je vous sors la vidéo de rénovation des mondes, tout simplement. Donc, mon Komorebi sera entièrement rénové. C'est le dernier speed build où je vous montre ce que je fais pour ce monde-ci. Je crois pas qu'on le voit dans cette vidéo, mais j'ai déjà fait le onsen juste à côté et je suis hyper contente du rendu final. Donc, j'ai très hâte de vous montrer tout ça. En attendant, juste très vite fait, actuellement, je suis en train de construire un dojo. Faites pas attention au nombre de fenêtres, vraiment improbable. Je vais enlever ça juste après. Mais c'est pour vous dire qu'il va y avoir plusieurs constructions sur le même terrain. Donc j'ai décidé de faire une sorte de, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais une sorte de village de Noël, slash village de ski, slash je sais pas trop quoi. Mais en gros, j'ai voulu faire plusieurs terrains, une salle de sport, un dojo, parce que je me suis dit quand même, ce serait sympa d'avoir un dojo. Voilà, donc j'ai mis les petites... comment on appelle ça? Vous savez, c'est les petites machines d'entraînement qui viennent avec Strangerville. En fait, on peut se combattre avec. Donc, je les ai mises un petit peu. J'en ai mis trois, je crois, au milieu du dojo. Et je me dis, comme ça, les Sims, ils pourront venir ici pour se battre. C'est assez sympa. Donc, on a la salle de sport, comme je vous l'ai dit, ce dojo. Un bar que j'ai construit un petit peu avec, pour référence, un restaurant de ski. Ça me plaisait bien, donc j'ai fait ça. Je suis actuellement en train d'en faire la base. Il y a un petit coin où il y a plein de sapins, mais ça, on s'en fout parce que vous irez sûrement pas à ce niveau-là. Mais après, il y a une patinoire autour de laquelle il y a plein de stands, donc pour faire une sorte de marché de Noël. Donc là, le début est assez saccadé parce que justement, je vais un petit peu à gauche, à droite pour faire tout. Donc j'ai dû faire pas mal de coupures. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de coupures dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que c'était une vidéo qui durait plus d'une heure à la base, et là je l'ai réduite à, je crois, 13 minutes 50, un truc comme ça, mais je pouvais pas faire autrement parce qu'il y avait des moments où vraiment juste c'est moi qui regardais tous les alentours, et je pense que c'est le truc que j'ai passé le plus de temps à faire, plus même qu'à construire, regarder pour voir comment ça allait donner. Vite fait, là je fais les toits, et je vous conseille de regarder ma vidéo sur le restaurant, que le premier speed build en fait que j'ai sorti, parce que je vais vous expliquer vraiment, enfin je vais pas vous expliquer, mais je vais vous montrer en speed build toujours, mais vous verrez vraiment toutes les étapes de création des toits, que là je vais pas spécialement montrer parce que je vais faire le même type de toit que pour le restaurant avec le dojo, donc c'est celui que je ferai juste après ce toit-ci que je fais actuellement. Et je voulais vous dire d'ailleurs vite fait par rapport au toit que c'est un truc de ouf, mais je sais pas pourquoi, construire les toits japonais sous la neige, genre le fait de les faire un petit peu comme ça, et ben c'est hyper agréable. Je sais pas, le fait qu'il y ait une couche de neige dessus, ça apporte un côté fluide. Limite ça me donne faim, je sais pas comment dire, c'est un peu bizarre, mais c'est hyper agréable en tout cas. Et donc, alors attendez, parce que j'ai toujours ma petite liste sur ce dont il faut que je vous parle. Vu que c'est un terrain avec plusieurs lieux, les Sims ne le considéreront pas comme un terrain avec plusieurs lieux. C'est tellement dommage, j'ai hyper hâte qu'ils rajoutent, si un jour ils le font, hein, c'est pas du tout sûr, mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils rajoutent le fait de pouvoir faire des terrains multifonctionnels, où on peut définir un pièce ou une groupe de pièces comme un certain type de terrain, etc. Surtout que là, on a le mode de fonctionnement des pièces, donc ce serait vraiment cool. En tout cas, si vous voulez utiliser ce terrain comme un bar, vous n'aurez qu'à modifier en haut à gauche, vous voyez actuellement que le petit panneau est ouvert, vous n'aurez qu'à le modifier en tant que bar, ou bien si vous voulez que ce soit un parc, le modifier en tant que parc, si vous voulez que ce soit une salle de sport ou un dojo, le mettre en tant que salle de sport tout simplement. Donc vous avez plusieurs possibilités pour mettre ce type de terrain. De base il sera en tant que parc national, et parc national ou parc normal? Non, je crois parc national, sinon je devais mettre des jouets pour enfants, et j'avais pas trop la place, j'étais un peu triste de pas avoir la place, mais tant pis, j'ai envie de dire. Et donc les petits stands que vous pourrez voir un petit peu plus tard, en fait ce sont des stands où il n'y aura pas des Sims de base qui viendront. Donc moi je mets toujours des petits stands ou des petites cafettes dans les salles de sport, etc. Mais il n'y a pas un Sim par défaut qui va venir s'y installer, il va falloir que vous l'engagiez vous-même. Moi ça me gêne pas dans le sens où je veux bien engager quelqu'un et après rembourser les sous de mon Sims à mon Sims, comme ça ça fait un petit peu plus comme si c'était réaliste et qu'il y avait vraiment les stands qui étaient animés quand je vais sur un terrain communautaire. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça, si ça vous dérange qu'il y ait personne à ces stands, il vous suffira juste d'engager quelqu'un et après de rembourser votre Sims des sous que ça a coûté d'engager la personne tout simplement. Je sais pas si c'est clair, j'ai énormément de choses qui fonctionnent comme ça dans ma sauvegarde, je trouve ça assez sympa, ça rajoute des activités supplémentaires, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Durant cette création aussi, j'utilise les codes du débogage, notamment vous verrez, je vais mettre des petites clôtures rouges qu'on trouve souvent au ski, voire tout le temps. Du coup, je vous mettrai les codes de débogage dans la description comme d'habitude, et il y a aussi à la fin de la description une vidéo pour vous aider à construire, pour activer les codes du débogage, pour activer plein de codes construction tout simplement. Je vous invite à aller regarder ça si vous avez des questions sur comment je fais ci ou ça pendant que je construis. Je voulais aussi revenir sur ma vidéo d'anniversaire et vous remercier pour les retours qu'il y a eu dessus. Si vous n'êtes pas au courant, ma chaîne a 6 ans et j'ai fait une vidéo où je retrace un peu l'évolution de ma chaîne en regardant les premières vidéos et au fil du temps comment j'évolue, et vos retours
Vraiment, ils étaient adorables et j'ai trop aimé. Et le côté première aussi, c'était assez sympa. Je sais pas si j'en referais. Dites-moi si vous, ça vous a plu ou si vous avez pas trop aimé et que vous préférez que ce soit une vidéo normale à chaque fois que je sors une vidéo. Je dis pas que je ferai des premières à chaque fois, hein, si ça vous plaît. Mais juste de temps en temps, voilà, est-ce que ça vous plairait d'avoir des premières ou est-ce que vous en avez rien à faire ou est-ce que vous ne voulez absolument pas ça? N'hésitez vraiment pas à me le dire parce que, ben, moi je sais pas trop. Là, la première s'est assez bien passée, mais en même temps, je sais pas si ça vous a vraiment plu, quoi, si ça vous a pas spécialement plus, ça sert à rien de faire d'autres premières, sachant que je le rappelle, je peux pas faire de live, j'en ai parlé dans les différents speed builds que j'ai sortis. Je vous invite à aller regarder tout ça parce que c'est souvent des vidéos blabla plus qu'autre chose, les vidéos speed build. Et je voulais aussi vous dire que suite à la vidéo d'anniversaire, j'ai refait un gros tri de ma chaîne, donc il est possible que vous ne trouviez pas certaines vidéos quand vous les recherchez directement sur YouTube. Ce qu'il faut faire, c'est pour regarder des anciennes vidéos, aller dans l'onglet playlist de ma chaîne et là vous retrouverez tout, c'est-à-dire que tous les let's play sont à ce niveau-là. Et non, vous ne pourrez pas les retrouver en recherchant sur YouTube, mais en allant sur ma chaîne et en cliquant sur les playlists, vous aurez toutes les playlists qui regroupent un petit peu tout. Donc voilà, bien sûr, il y a des vidéos qui sont toujours en privé, mais au moins ça permet de ne pas avoir des vidéos sur YouTube qui sont assez vieilles, et les gens cliquent dessus, et ils me voient comme j'étais avant, et comme je trouve que je ne suis plus aujourd'hui. Ça vous permet de continuer, bien évidemment, à regarder les vidéos si elles vous plaisaient, ou si vous avez envie d'être nostalgique, tout simplement, mais moi, au moins, ça me permet d'avoir une base clair et que les gens qui viennent sur ma chaîne pour la première fois, ils découvrent les vidéos en tout cas qui sont plus récentes quoi. Ou en tout cas qui représentent plus ce que j'ai envie de dégager sur ma chaîne. Et je vais juste vous parler très rapidement du fait que, bon vous l'avez vu je pense, je me suis encore coupé les cheveux. On va revenir là-dessus 2 minutes, je suis désolée pour ceux que ça intéresse pas du tout, mais moi mes cheveux ça c'est une grosse partie de ma vie, voilà. J'aime beaucoup mes cheveux et je leur fais pas mal de mal depuis quelques temps et du coup je me suis dit vers la fin du confinement, allez soyons fous, j'ai envie de changer de tête. J'ai envie de tester le fait d'avoir les cheveux courts, donc je me suis coupé les cheveux et en même temps je me suis dit bah, je vais attendre qu'ils repoussent et petit à petit je vais couper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que mon cheveu naturel, ce qui n'était pas le cas depuis très longtemps, ça fait très longtemps que j'ai pas eu les cheveux naturels quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je les ai coupés une première fois, donc c'était la première fois que je les avais coupés, puis j'ai voulu les recouper chez le barbier cette fois-ci pour essayer d'avoir un dégradé. Tant que j'avais les cheveux courts je voulais tester des choses, donc c'est ce que j'ai fait. Après ce passage chez le barbier j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que j'avais mes racines, j'avais mon trait blond, et en fait je me suis dit, oh pourquoi pas tester de faire le trait blond en rose avec un produit qui me reste de quand je me faisais les cheveux un petit peu plus rosés. Donc j'ai fait ça, sauf que j'en ai mis aussi sur les racines, et le produit a éclairci de ouf mes racines, enfin pas de ouf, mais ça les a rendues rousses, mais vraiment rousses, et moi qui voulais retrouver mes cheveux naturels, ben j'en avais plus aucun de naturel sur la tête, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de corriger ça, ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas réussi, donc je suis allée chez le coiffeur, j'ai demandé quelques mois plus tard bien évidemment au coiffeur de me fondre tout ça, c'était un coiffeur coloriste chez lequel je vais tout le temps, mais là la personne qui s'occupait de moi d'habitude était absente, donc j'en ai eu une autre, et elle a fait vraiment le pire truc que j'ai jamais eu à mes cheveux, je vous jure. Alors en vidéo ça se voit pas spécialement, mais en gros j'ai eu les cheveux, le bout des cheveux quoi, blanc. Et il faut savoir que quand je suis arrivée je lui ai demandé de fondre le côté mes cheveux naturels, le roux et le blond très clair parce que c'était laid. Et mes cheveux étaient déjà très décolorés, donc très abîmés. Et ce qu'elle a décidé de faire c'est de me poser pendant 2-3 heures de la décoloration sur la tête, sur les cheveux qui étaient déjà abîmés de ouf et décolorés de ouf. Donc ça m'a cassé les cheveux en fait tout simplement, et mes cheveux étaient pourris, genre quand je les touchais c'était vraiment de la paille, ils étaient cramés et j'étais dégoûtée parce que ben, vous le savez très bien, j'adore changer mes cheveux et j'adore leur faire plein de trucs, mais des cheveux en mauvaise santé j'avais vraiment jamais eu ça, donc quand je suis sortie de là j'étais dégoûtée. Je me suis dit bon, on fait quoi? On va attendre. Donc j'ai attendu, ensuite je suis retournée chez un autre coloriste et j'ai décidé de me faire les cheveux foncés d'une couleur qui se rapproche en fait de ma couleur naturelle. C'était hyper joli, en plus mes cheveux commençaient à pousser un peu, j'étais assez contente, c'était très sympa. Seulement, vu que les cheveux du bout étaient quand même très pourris, et ben ils n'ont pas du tout accroché la couleur. Ce qui fait que petit à petit je me retrouvais avec des cheveux qui viraient un peu au vert, etc. Donc j'ai commencé à me faire des shampoings colorants, ce qui a plutôt bien fonctionné. Même si parfois les couleurs étaient un petit peu douteuses, ça virait sur le orange, rouge, violet, et c'était pas du tout ce que je voulais, donc je me suis un petit peu calmée là-dessus. Et en gros, vraiment ce qui me gênait beaucoup, c'était les cheveux très très blancs qui faisaient n'importe quoi en fait, donc il fallait absolument que je les coupe, et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de couper ces cheveux et de petit à petit couper encore, parce qu'il me reste en fait, si vous voulez, bah, du roux de la première coloration que j'avais faite, et surtout d'une autre coloration que j'avais faite entre temps, parce que c'est un peu
peu le bazar, je vais pas non plus tout vous dire de tout ce que j'ai fait, mais j'ai fait des bêtises. Et en gros, il y a une coloration qui m'avait encore refait décolorer un petit peu les cheveux et qui avait rendu ça roux. Donc en gros, là, actuellement, j'ai 2-3 cm qui sont naturels et le reste est un peu roux, vous le voyez pas trop en vidéo. Moi, ça me va très bien, il y a pas de souci, mais du coup, je vais attendre et petit à petit, je vais couper mes cheveux jusqu'à ce qu'il me reste plus que du naturel. Et à ce moment-là, je laisserai à nouveau pousser mes cheveux. En tout cas, voilà, ma parenthèse sur mes cheveux se ferme. Maintenant, vous êtes au courant de tout. À nouveau, dites-moi si ça vous intéresse, mais je pensais peut-être dans un prochain speed build vous parler du fait de se couper les cheveux pour une femme, ce que ça fait, ce que ça représente dans la tête, le fait de s'accepter sans cheveux, sachant que les cheveux c'est quand même une grosse partie de la féminité, en tout cas dans la société, de ce que ça fait par rapport au regard des autres, des commentaires des autres aussi, parce que en tant que personne sur YouTube, les gens se permettent de me donner tous leurs commentaires sur ce que je fais à mes cheveux, même quand parfois c'est pas très cool, on va dire. Donc voilà, si vous voulez, je vous en parlerai dans un prochain speed build. Je pensais que ce serait quelque chose d'assez intéressant à partager avec vous, surtout si certaines personnes hésitent à sauter le cap. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vais aussi vous parler d'une dernière chose avant que la vidéo se termine. Il y aura la visite après, vous inquiétez pas, hein. Je visite en ce moment en mode live parce que je trouve ça vachement plus intéressant de regarder en même temps plutôt que de montrer des screenshots, je sais pas pourquoi. Donc on fait ça à la fin de la vidéo. Mais je voulais vous prévenir qu'il va y avoir une édition 2 de Rénovons vos maisons. Oui, tout à fait, vous avez bien compris, on va faire une édition 2 de Rénovons vos maisons, donc on va avoir une toute nouvelle playlist, des toutes nouvelles vidéos, des toutes nouvelles créations que vous allez faire dans la galerie. Du coup, quand vous allez les partager, il faudra mettre le hashtag NSRéno2. Je vous mettrai tout dans la description, vraiment, allez voir la description, c'est hyper important parce qu'il y aura toutes les règles dedans, enfin les règles. En gros, je vais vous les expliquer vite fait à l'oral, mais pour les retrouver et éviter d'avoir à avoir le moment pile de la vidéo où j'en parle, je vous invite à regarder la description, ce sera plus agréable pour vous. En tout cas, le but, c'est que pour changer un peu de toutes les vidéos de rénovation que j'ai faites avant, je vais essayer déjà moi-même de me mettre plus de contraintes quand je rénove, parce que là j'ai regardé l'ancienne série et je me suis dit ça me plaît pas trop, ça me plaît pas trop comment je fais parce qu'il n'y a pas vraiment de challenge. Donc j'ai décidé de changer ça dans cette nouvelle série. En plus, je me suis dit pourquoi pas, oui, si vous avez envie de faire des ruines ou des endroits en ruine dans une maison, vous pouvez, c'est-à-dire une maison à moitié faite dans laquelle, dans la première moitié par exemple, la famille vit, dans l'autre moitié il faut rénover, il faut refaire, il faut agencer par rapport au style de la maison, etc. En fait, j'aimerais avoir un peu plus de challenge dans le sens où peut-être avoir une maison qui est à moitié finie, ou bien une maison qui est finie mais à laquelle il manque des pièces, ou alors dont le style, les personnes qui vivent dedans ont envie de changer de style, j'arrive plus à parler. Voilà, donc en ce moment ça me tente un peu plus de faire ça que de rénover des ruines. D'ailleurs, je voulais vous dire dans la description de la maison que vous partagerez, n'hésitez pas à mettre aussi un budget à respecter, mettons. Soyez pas non plus insensé de ouf, en mode t'as le droit de 1000 simflouz et je veux avoir une extension de malade. Me faites pas des trucs comme ça, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, n'hésitez pas à mettre quand même des contraintes, c'est toujours plus amusant. Et si vous créez un foyer qui habite dans cette maison, mettez la mention PP. Oui, je sais pas pourquoi, je me suis dit que ce serait sympa. Au moins vous mettez PP et moi je regarderai dans votre galerie pour vous retrouver le foyer qui habite dans cette maison. Au moins ça apportera un peu plus de profondeur à la maison et peut-être que ça m'inspirera pour construire selon le style de ces personnages. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Actuellement, je suis en train de placer des pierres pour faire un petit peu plus réaliste, que ça fasse plus extérieur tout simplement, sachant que j'en ai aussi mis au niveau de l'onsen juste à côté. Vous verrez ça dans la vidéo de rénovation des mondes. Et sans plus attendre, on passe en jeu. Nous voici donc arrivés. Franchement, je suis hyper contente. Je trouve que ça donne très bien. Attendez, elle est passée à travers des barrières. Qu'est-ce que tu me fais là? Non mais n'importe quoi. C'est bon à savoir, les Sims passent au travers des barrières. On a donc ce sapin de Noël. Je me suis dit, oui, c'est vrai qu'on peut aller au ski quand c'est pas l'hiver, mais si on décide d'y aller alors que c'est l'hiver, et ben il y aura pas de problème. On pourra avoir notre joli marché de Noël. D'ailleurs, de ce côté-ci, on a une patinoire avec des stands. Ce que je vous disais tout à l'heure, on peut engager plein de vendeurs et on se remboursera les sous après. Ils sont tous en train d'arriver, c'est parfait. Je peux également engager un mixologue ici et là, et puis après je fais CTRL-SHIFT-C et je rentre le code monnaie. Et là, typiquement, on va dire que j'étais à 25 365 avant, et là ça va me rajouter les 1000 simflouz que j'ai perdu. Donc on va
commencer par, à ce niveau-ci, on a la sorte de bar où on peut très bien commander de la nourriture, hein, y a pas de souci. On a une musique asiatique en fond, j'adore. Ça donne une ambiance hyper sympa. Quand on rentre, on a donc un salon avec cheminée, une table et des chaises. Ici, on peut jouer au lama qui crie, aux cartes ou au sabak. Ça, ça dépend vraiment de toutes les extensions que vous avez. Une bibliothèque, une guitare, un jeu de fléchettes, un bar à ce niveau-ci avec Babyfoot. Bon, vous avez vu tout à l'heure, mais il y a un bar qui donne sur l'extérieur. De ce côté-ci, j'ai créé un petit paravent avec une colonne, des demi-murs et des fenêtres qui donnent sur les toilettes. Voilà donc pour cette partie-ci. J'aime beaucoup le côté rangement à ski avec des luges ici. Je trouve ça réaliste de fou. Je vous parlais tout à l'heure du coin où il y a pas mal de sapins, c'est à ce niveau-ci, donc je me suis amusée aussi avec l'outil d'élévation de terrain. Ça donne quelque chose de bien sympathique, je trouve. On passe au dojo. Là, vous pouvez voir que l'étage, en fait, si vous voulez, donne sur le bas. Et ça, ce sont les fameuses machines de Strangerville qui nous permettent de nous combattre. Voilà, donc ça va donner quelque chose comme ça. Là, elle est très nulle, ma Sim 7. Mais vous voyez le principe, quoi. Vous les mettez en kimono et vous êtes heureux. D'ailleurs, ici, on a la zone pour se changer. Et puis, si on décide de contourner tout ça, de contourner également les stands, la patinoire, les tables où s'asseoir, les toilettes, bien évidemment, hein, et les distributeurs qui peuvent nous écraser sans pitié, on peut accéder à la salle de sport. Et là, on a à nouveau un étage ouvert, mais qui donne cette fois-ci sur des magnifiques machines d'escalade qui viennent avec le kit fitness. À savoir que la compétence escalade est totalement compatible avec le mur d'escalade qui est en haut de la montagne. Donc les Sims peuvent s'entraîner ici, mais on a également ben, des équipements sportifs, quoi. On a des tapis de course également. Juste ici, une jolie cuisine avec un vestiaire à ce niveau-ci, des toilettes à ce niveau-là, et puis une douche. Que dis-je, 4 douches. Et voilà, c'est tout. C'était un grand terrain, 50 par 50, mais en même temps, avec ces 3 bâtiments, je trouve que ça l'a bien meublé. Et en fait, ça nous permet d'avoir des bâtiments qui sont assez petits, et donc c'est plutôt simple à meubler, quoi. Bon, alors actuellement, c'est fait comme un parc, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui veut venir à notre parc. Du coup, peut-être que dans la sauvegarde, il sera mis comme bar. En tout cas, j'ai fait en sorte qu'il fonctionne dans tous les types de terrains, hein. J'ai mis tous les objets requis. Et si en tant que bar, bah, y a toujours aussi peu de monde, et ben, vous le mettrez en salle de sport, quoi. Et du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que tout ça vous a plu, que ça vous a inspiré et que vous avez envie d'y aller aussi. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou même vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!